Le S3 Tour est un tournoi de street football qui te donne l'opportunité de représenter ton quartier lors d'une grande finale qui aura lieu à Paris le 31 juillet. Vous pourrez gagner 3000 euros de dotation grâce à notre partenaire Decathlon et surtout, vous représenterez la France lors d'un grand tournoi de street soccer à Riga en Lettonie. Le S3 Tour, c'est aussi la possibilité d'être élu meilleur joueur du tournoi et d'être sélectionné parmi les 8 meilleurs joueurs du S3 Tour. Dans quel but ? De participer aux qualifications du Fight Ball France organisé par C1 Garnier. Dans l'épisode précédent, la team Hotnou a gagné face à la team Wakanda. Et aujourd'hui, on va voir qui va représenter la ville de Conflans-Sainte-Honorine dans le 78. Ça y est, yo ! C'est la team S3 ! Et aujourd'hui, on est à Conflans ! Ok la famille, on commence avec la première équipe, ils vont se présenter. Nous c'est les héros aussi gênés, nous on est là pour abattre l'ennemi. On est venu pour casser la gueule. On est là pour tout niquer. Salut à tous, nous c'est la Grunta, on est là pour abattre l'opposant. Pour pas faire de cadeaux, nous on veut tout gagner. Nous. Restez branchés. Faites attention. Nous c'est la Team Rocket. On va faire du sale, hein. On va tout donner, on a peur que de Dieu. Aujourd'hui on va tout péter. On est l'équipe de KRZFC. Notre devise c'est quoi? On parle peu, frappe fort. Je m'appelle Cliff, on est l'équipe de Drake Platine. Et voilà, on n'est pas derrière Blard nous. Et voilà, c'est tout. Franchement, on est là pour abattre. Maintenant, je vais prouver. Moi, retenez bien mon nom. Sous Justin, on est là l'année prochaine. Mon ambition, signer un contrat pro et voilà. Moi, je me présente, je m'appelle Kayoum. Comme mon pote, il a dit, on n'est pas dans les hablas. On est les plus petits, mais on peut faire mal. Avant de démarrer les hostilités, on commence avec un show freestyle. Et on commence le premier match qui opposera les tipeux face à d'or et de platine. Premier match. Ouais. Ça s'annonce très très chaud les gars. Le niveau est là. Malgré leur jeune âge, les tipeux sont bien décidés à montrer qu'ils ont leur place dans ce tournoi. Oh, très très chaud. Mais la team d'or et de platine ne sont pas dans les hablards et ne font aucun cadeau. On salue le courage des tipeux, gros big up à ces jeunes qui n'ont peur de rien. Ok la famille, premier match, une nette avance de la première team. Franchement ils ont gagné 7-0, un truc à jeune, on a resté chaud. On n'a pas levé le panneau, mais on était à deux doigts de lever le panneau. Ouais c'était chaud, c'était chaud. Allez on passe au deuxième match. Let's go. La Grinta face à TRZ, la sixième quart de finale. 3, 2, 1, let's go. Match très tendu, les deux équipes très solides, mais la Grinta prend l'avantage dès la première minute et TRZ donne tout pour égaliser. Le corner ça existe les gars. Ça s'intensifie, ça s'intensifie. Là ça va être chaud. Parce qu'il y a que 1-0. Il n'y en a que deux qui ont levé. Il y a qui est toujours 1-0. Attention, attention. Et c'est pop. Ah il est bon. Il est bon ou pas? Ah il est validé, on me donne le temps là-bas. C'est validé, c'est fini. C'est fini. Eh cool, je t'explique. Je lève pas pour un petit. Il y a 1-0 pendant 88 minutes. Trop facile. À la 91e, il a la balle du 2-0, c'est fini. Il rate ça. Malheureusement, j'ai devant les cas, j'ai loupé, mais bon, c'est pas grave, la prochaine ça va rentrer. But à la dernière seconde. Enfin, c'est incroyable. But à la dernière seconde. Fini. On passe 1 contre 1, le premier qui met un but, on a un petit point à gagner. Comme dirait Sean, c'est l'heure du shout-out. Était égalisé à la dernière seconde. Je sens qu'il y a une petite revanche. Oui. Là, on doit prendre notre revanche parce que là.
C'est compliqué, c'est dur à digérer. TRZ avec William. Parle peu, frappe fort. Ça fait 3, 2, 1, conflant, c'est parti. Ça va être la guerre, ça va être la guerre. Doucement quand même les gars, ça joue. Ça joue, ça joue, ça joue. Ça joue. On est l'équipe TRZ. TRZ, c'est le nom de ma cité. De base, on était venu pour rigoler. On espère gagner. Moi, si je gagne, je pense que j'achèterai un peu de tout et je le revendrai. Ce sera une grande fierté pour ma famille si on gagne déjà. Comme tout le monde, on rêvait d'être footballeur. Tu as l'avance, puis on voit que c'est compliqué. Essaye de choisir des rêves. Un peu plus à notre portée. Après, faut s'accrocher à ses rêves, c'est vrai. Mais... Je pense qu'on va plutôt travailler à l'école et après gagner de l'argent en grandissant. J'ai rêvé un peu quand j'étais petit. Des tout le temps des vidéos Blue Sky, San Garnier, West Freestyle, tout ça, S3. Je connaissais tout ça sur YouTube, je regardais. C'était bien, je passais du temps dessus, j'aimais bien. Mais j'avais jamais pensé à faire partie d'un truc comme ça. Ouais, on est là pour gagner en fait, on est que là pour gagner. Hein. Et toujours, hein, on va avec la même devise, hein. Un peu frappe fort. Un but. Le petit poum, il était sale. C'est toi que je choisis pour le fight ball. Prépare-toi bien, mon gars. Ah, il a bien agi sur le coup, j'étais pas prêt, directement, petit point. Ah, j'aurais pu faire mieux, mais après, vas-y, bien joué. Bon, faites du bruit, s'il vous plaît, pour la suite, faites du bruit. Non, je fais pas de bruit, moi. Première demi-finale, carré dans l'axe. C'est carré, premier match, incroyable. Allez, ça, c'est 3, 2, 1, let's go, complant. Et on commence la première demi-finale entre la team 06 Gênes et la team d'or et de platine. Il faut qu'ils lèvent leur carton. Ça lève, ça lève, ça lève. 0-0, 0-0. Il marque le 2-2. Eh oui. Eh oui, mon gamin, attention. Ça peut se jouer à pas grand chose. 4-2. 4-2. Victoire des 06 Gênes face à Doré de Platine. On passe à la deuxième demi-finale qui opposera TZR face à la Team Rocket. Demi-finale du S3 Tour Conflans. 3, 2, 1, let's go. Let's go. Ça j'aime. Match très serré encore une fois, mais la team TRZ prend vite l'avantage. Mais la team Rocket ne se laisse pas faire et marque ce magnifique but. Malheureusement, ils n'arriveront pas à faire la différence. Le deux contre un. Quand même, il y avait quelque chose, non? Il y avait une petite créativité. On a raté. Ils ont raté 3 balles d'égalisation. Bah, ça va, on a gagné, mais je pense qu'on aurait pu encore plus marquer. On n'a pas assez fini devant le but. Et voilà, toujours là, bien. Parle peu, frappe fort. Hein. Gros big up à toutes les équipes de Conflans et merci à Tarek et la MJC de Conflans Saint-Honorine pour l'organisation. Et avant la finale, défi Pana face à la team S3. Ok, c'est parti. La règle, vous la connaissez. Premier qui met un petit point à gagner. Le match, il peut durer assez longtemps. Bon sang, là, ça joue au passe-passe. Là. Ça joue au passe-passe. Faites du bruit pour Chris, s'il vous plaît. Faites du bruit. Écartez-vous.
conférence de presse, quel était le combat? Moche face à Cliff, ça rigole pas. Ça vient de Bondy à ma gauche, ça vient de Conflans à ma droite. Moi j'ai pas parlé, moi, je suis pas dans les hablards. Ici c'est pas YouTube, hein. Let's go! Et on passe à la finale. Mais faites du bruit s'il vous plaît pour 06 gêné. Ok, 06 gêné avec Enzo. Faites du bruit s'il vous plaît pour l'équipe TRZ. TRZ avec Enzo. Attention, ça va être chaud. Chasuble vert pour cette équipe, chasuble bleu pour cette équipe. C'est parti, let's get it. C'est la finale, la grande finale. C'est parti, mon gars. Get it. Ouais. Ouais. Nombre 2, 1, let's go. Ouais, bien joué. 8 minutes de match. La finale. Étape numéro 3. Confiance et tournerine. Je donne mes sous pour prendre son pour les deux bons. Je parle pas la langue de bon. Un déjoué. Ok. Ah, ok. Yeah, le but de William. Parti. Yeah, l'égalisation. Deux buts dans cette finale. Fin du match et victoire de TZR. Big up à eux et à tous les participants. On a vraiment hâte de les voir à la grande finale le 31 juillet. Je félicite l'équipe gagnante, c'est mérité, ils sont arrivés déterminés dès le premier début. Bien joué à toutes les équipes. Alors moi, à cause du soleil, j'ai pas pu participer parce que Ramadan là, j'ai vu capter. Et si j'avais participé, comme moi, DZ, j'aurais cassé tout le monde. Oui, merci. Mais, le meilleur freestyler, c'est Anne Garnier. Ou sinon, le meilleur joueur, c'est Garincha. Voilà quoi, félicitations à tout le monde. Pour moi aussi, mon meilleur joueur, c'est Garnier. Dommage, il n'est pas là. Question pour vous, vous savez que le gagnant, il va à Riga. Est-ce que vous savez c'est où Riga? Oui, en Éthiopie. En Éthiopie? Non, c'est où? C'est en Espagne. Ah, c'est en Amérique centrale. En Lettonie, les gars. Oui. Allez, c'est quoi ça? Yo yo yo, c'était la Team S3. On espère que vous avez kiffé cette vidéo. C'était l'étape de Conflans Sainte-Honorine. Franchement, il y a eu du niveau. C'était grave stylé. Moi, j'ai grave kiffé. En vrai, il y a un petit niveau sympa. Ça charrie et tout. Franchement, il y a une vraie ambiance. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des joueurs qui se sont démarqués. Et ça va être sympa, franchement, j'ai hâte de les voir face aux autres vainqueurs. Ouais, moi aussi. Ça au fond, j'ai exhibit dans MTV. Non, ouais, c'est lourd. Non, franchement, c'était lourd. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content, il fait beau, on joue au foot. Tout le monde est respectueux, c'est vrai ou pas? C'est vrai. T'as toujours ta play à vendre ou pas? Ouais, j'ai une play à vendre et une clé au sein qui s'est rajoutée. Big up à toutes les équipes qui sont venues à Conflans Sainte-Honorine. On se donne rendez-vous à l'étape d'après qui sera à Rouen le 14. Et voilà, j'espère que vous êtes chaud patate aussi. D'ici là, la famille, la recette elle a pas changé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout abonne-toi mon gars. Bang bang.